Salut à toutes et à tous, c'est Riveless, je vous retrouve pour la suite de Spyro 2 sur PS1. Oui, c'est ça, j'allais dire sur PS2, mais non, c'est Spyro 2 sur PS1. Et je vous retrouve pour la suite, où j'avais battu le deuxième boss, j'ai débloqué le troisième pouvoir, j'ai fini un niveau et là je m'attaque à un circuit, le circuit métro. Yeah, j'aime pas les circuits. Parce que c'est pas ma tasse de thé. Mais bon. Ils sont où les deux autres? D'accord. Je fais peut-être pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. Merde! Ouais, je suis clairement pas dedans là. Non mais je sais pas, je me suis viandé un moment. J'ai perdu le fil. Bon, en tout cas, les pigeons, ça va le faire. Mais il est où? Ah, il est là. Oh, purée! Bon, je les prends peut-être à contresens, mais... Ce qui compte, c'est d'y arriver. C'est pour ça que j'aime pas les circuits. Ah, je vois par où il faut que je prenne. Oui! Oui, réessayer parce qu'il faut maintenant que je... Que je fasse la mission. Bah zut, c'est où? Faut quand même pas que ce soit un interrupteur activé quand même. Je ne sais plus où c'est, pourtant je l'ai vu tout à l'heure. J'aime bien le bruitage, je pensais que je les déglingue. Ah, c'est bon, je viens de me souvenir. C'est bon, je me souviens où c'était. Tiens, parce que toi je t'aime pas.
de criminalité a augmenté au circuit métro. Mais je pense que tu pourras nous aider. Un gang de cambrioleurs dérobe l'argent de ma campagne électorale en escaladant les murs des bâtiments. Peux-tu m'aider à débarrasser la ville de ces vauriens ? Oui. Super ! Le chasseur a réussi à nettoyer les murs de ces bandits. Mais tu dois rattraper le butin avant qu'il ne tombe dans le canal. Le chasseur t'attend à l'extérieur. Bonne chance. Oh oui, non, j'aime vraiment pas cette mission. Oui, 5 étoiles, je veux bien le croire. En fait, du coup, là, vous voyez, chasseur dans un costume et tout. Et moi, il faut que je récupère le pognon avant qu'il tombe à l'eau. Sauf qu'effectivement, il y a un endroit, ça va être pénible. On dirait que tu en as oublié un. Hein? Il y a toujours des escrocs prêts à nous dévaliser. Veux-tu réessayer? Non mais j'étais dessus, je suis désolé, mais j'étais dessus. Ou j'étais pas dessus, mais un pixel près. Ah non, mais c'est pour ça que j'aime pas du tout ce niveau, c'est déjà, chasseur il fait des trucs de malade. À moins de bien connaître l'emplacement des 10 voleurs. Enfin, des 10, pas les 10, les... Mais bon, c'est du comme du die and retry. Faut se faire couillonner sur un pour ne plus se faire couillonner ensuite. Il est où le dernier? Il est où? Ouf! Bien joué! Tu leur as donné une bonne leçon. J'ai rien fait, moi. Juste récupérer ton sale argent. Ou ton argent sale. Selon le point de vue, ça se défend. Bon, ça, c'est fait. Pour moi, ça, c'est une sacrée épine enlevée du pied, bordel. Vite, fuyons ce portail de l'enfer. Du coup, je me venge sur des grenouilles et sur des moutons. Voilà, c'était parfaitement gratuit, violence animale et tout. Bon, là, je vais m'occuper de collines de faille. Pareil, les boules vont être assez chiantes. Les épreuves concernées... Pff, oh là là, j'en soupire d'avance. Mais là, vous vous dites, mais en fait, il est pénible ce jeu. Non, 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 il est bien. C'est juste que. Il y a quand même des épreuves un peu plus difficiles que d'autres. Et la question que je me pose, c'est. Ah. Il faut que je refasse tout. Merci. Normalement, je ne suis pas obligé. Aïe! Moi qui ai voulu me. Qui ai voulu en punir un. Et c'est lui qui m'a dit non, ta gueule. Pourquoi je fais ça? Oui, machinalement, je vois que c'est un objet. Que c'était l'objectif pour le. Par contre, en tout. Sérieusement, il faut que je m'occupe. De tuer des ennemis. Bon, allez, je suis parti pour faire ça. Parce que je vais avoir besoin de la supercharge. Enfin, et encore que non, je suis même pas obligé de la faire. Allez, on refait ça vite fait, bien fait.
quel bonheur! Ah! Non mais regarde pas comme ça. Non. Ce réflexe. 14. Mais de toute façon, je peux passer au-dessus. Puis là. Ouais. Ah oui. Bouge pas, il me dit. Je vais transformer tes bottes en or, il me dit. Oh, salut Spiro. Quel plaisir de te voir. J'apprécierais énormément si tu pouvais retrouver cet alchimiste. Il me doit quelque chose. Je crois comprendre, oui. Y a pas de bain de lave, ça m'embête. J'ai fait des expériences avec cette potion. J'aimerais bien maintenant la mettre à l'épreuve. Mais à cause des modeleurs de terre, il est dangereux de s'aventurer dehors. Pourrais-tu m'escorter? J'aime pas ces missions-là. Super! Si tu ne laisses pas les modeleurs de terre s'approcher de moi, j'amènerai cette potion aux chasseurs. Non mais... C'est quoi la feinte que tu m'as fait, putain ? Tu veux bien m'escorter ? Non. Non, pas par là. Tu veux bien, mais... Hein? J'ai plus de Sparks? Ouais, bah, de la merde, hein. Tu veux bien, mais... Je m'en prends plein la gueule pour tes conneries. Il n'y aurait pas une autre bestiole des fois là dans le coin, non? Bon bah tant pis. Je vais vous contenter de ça, c'est bien, c'est déjà pas mal. Tu veux bien m'escorter? Bon. Il y en a vraiment un ou deux où des fois il fait vraiment un... Tiens. Non, je l'ai eu avant.
Je crois que j'ai même pas besoin en fait de le tacler l'autre là, l'avant-dernier. J'ai même pas besoin. Tu veux bien, mais. Je rêve ou je perds des points de vie là? Et bah, cette vie me fait énormément de bien, déjà. J'ai même pas besoin. Il va faire demi-tour comme ça. Ah, mes pieds vont nettement mieux. Peux-tu t'occuper de ça pour moi, s'il te plaît? Les chasseurs qui m'enfilent ses boules encore, hein. Pas de problème. Puisque t'es là, ça te dirait de m'aider à faire la peau à ces maudits modeleurs de terre? Oui, vengeance! Bon, lorsque j'atteins un modeleur de terre avec une flèche, charge-le de front avant qu'il n'ait le temps de se relever. N'oublie pas, pour charger, saute et appuie sur la touche triangle. Nous devons les avoir tous d'un seul coup, sinon ils vont faire venir leurs amis. Allons-y. Ouais, cette quête-là aussi, elle est pas mal dans son genre. C'est parce que... il faut trouver... lequel il vise. Et vous avez vu qu'il va quand même vite, hein. Non! C'est pour ça que j'aime pas cette putain de mission. C'est parce que si on foire une charge, y a pas moyen d'essayer d'en refaire une deuxième. Par contre, c'est jouissif. Voilà, dans le pectoral et dans le couillonnal. Parce qu'il faut les charger comme ça, de préférence. Mais non! Non, non, non! Non! Puisque t'es là... Ah non, mais franchement, ce niveau, j'aime bien l'ambiance et tout, j'aime bien le principe de la quête, mais merde quoi, pour des conneries, ça me fait foirer. C'est pour ça que je me mets bien au-dessus. Bim! Oh, quelle excellente équipe nous formons! Tiens, j'allais donner ceci à l'alchimiste, mais il m'a mis trop en colère! Oh là là, t'étais furax, il m'a mis trop en colère! Attendez, je souffle deux secondes là. Tu me parles plus! Hey! Moi, je te fais pas la gueule, hein! Non, non, mais les modeleurs de terre. Ah non, mais les missions dans les Spyro, dans le 2, dans le 3, c'est même combat. On a affaire
a vraiment désassisté, c'est le cas de le dire. Et la quête avec les modeleurs de terre, oh lolo, oh lolo. Celle où il faut les dézinguer, j'aime bien le principe, mais... C'était une de... Bizarrement, c'était quand même une de mes missions préférées, mais comme vous pouvez le voir, c'est frustrant. Car soit on est un poil trop lent, bah ça va pas. Ça va pas si j'en loupe un sur deux. Allez, on va faire les arches. Bah. Bon, on va faire ça finalement. Bon, on va faire un peu de tout en fait. Persuadé d'avoir loupé quelque chose. C'est pas grave. Ah oui, il me manque des arches. Il m'en manque une. Nul là-bas. Oh Jesus. Ah, au moins, je l'ai réussi du premier coup, celle-là. Et pour la mission, faut péter l'igloo. Bien joué, Spyro. Tu sembles prêt pour un défi plus stimulant. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de parapente? Des... Tu n'as pas le vertige? Bouh. Un dragon qui a le vertige, c'est pas de bol pour lui. Génial. Je vais tirer derrière ma motoneige et tu devras manœuvrer entre les anneaux. N'en rate pas. Sinon, on n'aura plus qu'à recommencer. Coquinou, je vais tirer derrière ma motoneige. Oh oh oh. Bon, je me concentre là, sérieux, parce que c'est chiant comme mission, ça. Oh non! On m'a dit que tu te... Suffit que j'en parle. Mais... Non. On m'a dit que... J'ai trop relâché. Ah, il faut les toucher, il faut entrer dedans, moi j'avais pas compris.
Ah. Tu m'apprécies, Spiro, hein? Tu m'as dépassé. J'étais en apnée tout le long. Oui, le suspense était intense. Pardon. Mais en tout cas, je peux vous annoncer fièrement que j'ai terminé la... J'allais dire la forêt d'été. Non ! Non, 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 non. Ça, c'était il y a quelques épisodes, déjà. Non, non, j'ai fini les plaines automnales. Non, comment ça, je fais cette vidéo à 2h du matin ? C'est faux, il est minuit. Ah, mais du coup, ça, c'est un gros point, un gros plus. C'est que du coup, ça fait la deuxième zone de terminer à fond, et on pourra s'attaquer pleinement à la dernière. Et du coup, je m'y rends déjà, comme ça, quand on commencera la prochaine vidéo, on sera parfait au bon endroit pour tout ça. Je finirai peut-être pas le niveau maison tout de suite, parce que bon, c'est pas la priorité dans l'immédiat. Et puis je verrai bien si j'ai loupé des trucs, j'irai de portail en portail. Puis voilà, je ferai certainement ce niveau-là. Marécage mystique, mystérieux, je sais plus. Et un des autres niveaux là. Normalement il y a moins de niveaux que dans les autres zones. Je crois qu'il y en a peut-être autant que dans la forêt d'été, il me semble. Enfin, on verra bien. De toute façon, il faudra tout faire. Je pourrais, si je le voulais, affronter Ripto. Mais non, on va faire ça bien dans l'ordre, comme il faut. Parce que de toute façon, pour pouvoir passer à l'après-Ripto, il faut que j'ai tout récupéré. Donc voilà, mes gens, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut !